Je peux seulement vous dire que les blessures ne mettent pas en danger la vie de l'ambassadeur et que son état est stable. Le gouvernement américain condamne fermement cet acte de violence insensé. L'assaillant a été arrêté. Il est entre les mains des autorités locales. Nous sommes très reconnaissants envers la police nationale coréenne et lui envoyons tous les éléments concernant l'enquête. Je pense que l'entaille a été légère vers le haut, mais plus profonde vers le bas. Si elle avait été un peu plus bas, elle aurait pu trancher son artère carotide. Heureusement qu'il n'a pas touché cette zone. La lame a tranché le petit doigt de l'hyperte jusqu'à son pouce. Il y a une blessure de 3 cm de profondeur. Tout le monde a paniqué, mais l'ambassadeur était très calme. Il a consulté son médecin de famille. En fait, nous étions tous sous le choc, mais l'ambassadeur Lippert a très calmement décidé de se faire soigner.